Tom Renault qui lance, bien joué Noah Fata, qui va pouvoir revenir sur son pied gauche, bien joué, très bien joué de la part de Noah Fata, rentre dans la surface, c'est Gamero, Gamero le centre, ouh, c'était dangereux, très dangereux, la déviation en Jaoussou qui a failli tromper son propre gardien. Matondo cherche la profondeur, bien joué avec Fattar, 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 oh la barre, quel enchaînement de Fattar. Alterne aussi parfois avec le jeu long comme tout à l'heure avec Noah Fattar lancé. Voilà, bah exactement avec Noah Fattar, encore une fois c'est la même configuration que tout à l'heure. Noah Fattar face à Opa Sanganté et pénalty, pénalty pour Cholet, cette faute d'Opa Sanganté sur Noah Fattar, 32e minute. Milan Robin qui s'élance avec son pied droit, Milan Robin arrêté par Paul Delecroix, le héros Castelroussin qui fait encore une fois des miracles. Et Ali Djedid qui siffle la fin de cette première période, 0-0 donc entre la Bérechon de Châteauroux et Cholet. Quelle solution va être privilégiée par les joueurs de Stéphane Rossi? C'est le pied droit de Robin, fort devant le but. Dégagé, là il y a une très bonne contre-attaque pour la Bérechon de Châteauroux avec Ntolatio qui va vite, Ntolatio, Ntolatio qui va plus vite que Miziatou. Ntolatio sur son pied gauche, Ntolatio 1-0 pour la Bérechon de Châteauroux. Et ce but Benjaloud Youssouf, Benjaloud Youssouf qui vient pousser ce ballon au fond des filets dans les 5m50. Ntolatio, oh là là, Ntolatio, il a fait encore une grosse différence. Un très bon tag de Gognon, mais derrière Mazikou qui vient apporter le surnom. Bien joué de la part de Mazikou, très bien joué pour Jonathan Mexique, Jonathan Mexique, Jonathan Mexique, la frappe, la barre transversale de Jonathan Mexique. Quelle frappe énorme de Jonathan Mexique. Il y a eu réaction Scholtez hein, après ce but. Pour le moment, on n'a pas réussi à concrétiser. La tête arrive jusqu'à Ntolatio au deuxième poteau. Le bel arrêt de Baptiste Valette. Grosse occasion. Romain Basque. La passe au-dessus pour Nolan Roux. La déviation de la tête pour Gilles Sounou. Ça s'est bien joué. La reprise de volée. Et la déviation de Baptiste Valette. La claquette au-dessus de son but. Intelligent encore ce qu'a fait Nolan Roux, la remise dans la tête. Youssouf. Youssouf, premier poteau, déviation de la tête. Bien joué encore. Oh, Nathanael Ntolatio. Delecroix. Pour Sounou, la tête de Sounou encore, très intelligente. Mexique, ça s'est bien joué aussi. Là, on voit l'expérience de certains joueurs. Castelroussin, Viltard, Viltard dans la surface, Viltard, Viltard, le centre en retrait. Et le but contre son camp. J'ai l'impression que c'est Matondo qui vient marquer contre son camp. Alors qu'il va y avoir un triple changement côté Bérechon, Sofiane Dam, Alun Endur, Peter Wanné qui vont faire leur entrée dans quelques secondes. On va bien jouer ça, cette passe pour Gamero. Gamero, oh, quel arrêt! Quel arrêt encore de Paul Delecroix qui lui aussi aura fait un match exceptionnel. 91e minute.